Eh bien bonjour à toutes et à tous, et nous voilà pour l'épisode 14 de The Last of Us, le dernier épisode. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien tout simplement, on a enfin fini une des plus grosses scènes du jeu, hein, clairement. Une scène où il y avait beaucoup de mecs, de gangs à abattre, ok, beaucoup de scènes de discrétion, et aussi quelques infectés. Voilà, on avait traversé les égouts, ok, on en avait fini avec les égouts, parce que je vous rappelle que dans l'épisode 12, on était entré dans les égouts pour fuir la ville, hein, pour aller encore plus loin et rejoindre une antenne radio qui était la base d'Henry, là où il y avait des vivres, de la nourriture, des ressources, plein de trucs cool en fait. Donc on a réussi à atteindre cette antenne. Pas de bol, Sam, le petit frère d'Henry, s'est fait mordre. Donc Henry a dû tuer son frère, il s'est tué ensuite. Super l'ambiance, ok. Et on se retrouve ici à essayer de retrouver le frère de Joël, Tommy, qu'on n'a plus vu depuis l'épisode 1 de ce let's play. Donc c'est parti, on y va. On est avec Ellie. Et puis voilà, on est... Bon, là c'est vraiment la dèche. Hein. Alors là, je vous cache pas. Là, on est sur une PLS qui ne me va pas du tout, en fait. On peut quand même scrapter quelques trucs. Pilule. Alors, pilule, je vous rappelle qu'il nous faut rayon du mois d'écoute encore. Et ensuite, on se fera une petite stabilité de l'arme ou un petit truc cool comme ça. Voilà, vitesse de confection. Quelques trucs bien, quoi. Donc, normalement, la route s'arrête là. Bah, on va descendre. Alors, normalement... Suivons la rivière. Exactement, c'est ça. On devrait avoir une nouvelle arme dans cette vidéo. Ok. Alors, on peut descendre par là. Oui, on peut descendre par là, regardez. Yep. Tommy ne devrait être pas loin du tout. Ok, et là, on se rapproche de la fin du jeu, ok. Comment ça? On va écouter ce discours parce que c'est important. Ouais, oui, les deux se sont séparés, hein, vu qu'on l'a plus vu depuis l'épisode 1. Ok, mais sur quel point? Voilà, quel point? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais voilà. Tommy, étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. Exactement, bah comme tout le monde en fait. Comment? Votre dernière rencontre? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche ». Oh Mais il va nous aider? J'aime bien ça. Ça, on va le savoir très vite. Ouais, exactement, vu qu'on va le voir bientôt. On y arrivera. À savoir que Joël voulait revoir Tommy bien avant... que Joël rencontre Ellie, ok, et qui s'embarque dans toute cette folle aventure. Ça là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. Une petite centrale. Pourquoi j'entends des bruits d'horloge depuis avant là? Ça utilise l'énergie de la rivière. Oh là là. Et ça la transforme en électricité. Possible. Comment ça marche? Ouh, une vanne. Je sais ce que c'est. Attends, juste ici, on a quoi? Hop. Oh, utiliser un surin, j'aime bien. Ok. J'aime bien. Alors par contre, c'est pas comme les claqueurs. Hein. Là, quand il y a marqué « Utiliser un surin », c'est vraiment, ça use le surin. Mais bien comme il faut. Des explosifs. Ici, un petit casier. Non, pas de casier. On peut crafter des choses ou pas maintenant? Oh, rayon du mode écoute, voilà. C'est bon, on a le rayon du mode écoute au niveau maximum. Ça veut dire en fait qu'on va pouvoir voir les ennemis à travers les murs de beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. On va se faire... on va se faire des kits. Ok, parce que là, on est vraiment mal en kits. Bon, voilà, on s'est mis bien, hein, clairement. Cette petite salle nous a mis très très bien. Ici, on active la vanne, comme ça, on va pouvoir passer sûrement. Allez, tu m'actives ça, Joel. Voilà, encore un petit effort. Un tout petit effort, et je remarque que ça tourne que une des deux grilles. Donc, on va devoir traverser, je pense. On nous amène à mi-chemin. Exactement. Si on lève la deuxième, on pourra traverser. On peut passer par là. Exactement, Ellie, c'est ce que je viens de dire, en fait. En gros, t'as résumé ce que j'ai dit. Sauf que toi, tu sais pas nager, du coup, c'est à moi d'aller plonger dans l'eau. Hop, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Alors voilà, normalement, c'est ici qu'il y a une planche qui est bloquée sous l'eau. Et alors là, pour la débloquer, je ne sais pas comment qu'on fait. Alors, où pourrait y avoir une planche? Où pourrait être la planche? Alors, on va remonter, hein, parce qu'on n'est pas non plus Aquaman, hein, si tu vois ce que je veux dire. Qui a vu Aquaman ici? Moi, j'ai pas vu Aquaman, en fait. Donc, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais bon. Oh, mais elle est là, la palette, en fait. Elle est là. La fucking palette. Non mais, oh là là, ok, j'ai capté. Il faut aller à l'intérieur de ce bâtiment pour pouvoir débloquer la fucking palette. Et c'est reparti, troisième plongeon, mesdames et messieurs. Record du monde de natation, c'est moi. Oui, c'est bien moi, oui. Hop, tu peux aller plus vite, s'il te plaît, Joël? Oh mon Dieu, mais quel enfer! Quel enfer, parce que vous, là, vous ne le ressentez pas. Mais je suis emporté par le courant, mais d'une force! D'une force, allez, Joël! Joël, tu pourrais y arriver. Voilà, regardez. Allez.
Allez, mais c'est pas possible! Oh, mais je déteste ça. Quand le personnage ne veut pas prendre la palette, là. J'aime pas. Allez, vite, parce que l'oxygène... On a dit quoi avec Aquaman? On n'est pas Aquaman, Joël. On n'est pas Aquaman. Tu replonges pour la quatrième fois. Tu voilà. Tu vas prendre un peu de recul. Prends du recul sur la palette, sur ta vie, sur un petit peu tout. Et hop, on y va. C'est parti. Voilà, parfait. Parfait. Allez. Allez, allez, Joël. Dès qu'il y a marqué appuyer sur triangle, on appuie. Voilà, on appuie. Ouh, c'est un peu mal foutu, mais ça va, on s'en sort bien, ok. On s'en sort bien. Voilà, tu me dégages la palette et tu remontes. Parfait. Perfecto. C'est bon? Ok. Parfait, je crois qu'il y a une cinématique qui allait se déclencher, mais non. Ouais, sur cette foutue palette, mais elle a l'habitude. Ça fait la combienième fois? Quatrième fois, peut-être? Troisième ou quatrième fois? Allez, Ellie, tu peux le faire, vas-y. C'est Ellie qui va devoir tourner la vanne. Hein. J'espère que tu auras assez de force, Ellie. Parce que sinon, c'est un peu la dé pour passer. Mais on va se débrouiller, comme d'habitude. Alors, faut la faire passer où, là? Ok, faut la faire passer là-bas. Regardez. Comme par hasard, il manque une barrière. Mais ça, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Quelle coïncidence. Allez, Ellie, tu peux y aller. Vas-y, voilà. Moi, je me casse. Je vais aller de l'autre côté. Tu m'ouvres le passage. On traverse. On voit Tommy. Fin de l'épisode. Voilà. Comme ça, c'est fait. Allez, vas-y, tourne. Donc, comme ça, c'est dit. Voilà, tu peux tourner. Parfait. Hop, on monte. Allez, c'est parti. C'est parti, elle a de la force. Elle a de la force, regardez-moi ça. Je vais voir le point de vue. Beau point de vue, oui, effectivement, c'est un beau point de vue. Oui, bah ça va. Ça va, regarde. Je suis Joël, ne l'oublie pas. Eh. Oh, c'est... Oh là là, c'est trop mignon. C'est Mims. Faut monter par l'escalier. Moi, je monte pas par l'escalier. Moi, je monte par là. Par là, mais juste avant. Voilà, il y a des petits trucs croustillants. Voilà, les trucs croustillants. Les trucs croustillants peuvent nous permettre de crafter... Ah, vraiment que dalle, en fait. Hein. Vraiment que dalle, en fait. On peut monter par ici. Moi, je préfère monter par la nature que par vos vieux escaliers éclatés au sol, là. Voilà. Tac. La Fedra. Oh, c'est une zone de la Fedra, ici. Oui, Ellie, t'inquiète pas. Moi aussi, en vrai, j'ai la dalle. Une fois passé cet endroit, j'ai la dalle, ok. On peut passer par là, je pense. Oh, ça va. Hein. Regarde, on va trouver Tommy, t'inquiète pas, il a des vivres. On va se mettre bien, tout simplement. Hop. Stylé, les décors ici, j'aime bien. Ça change un petit peu des villes, hein, parce que être enfermé dans les villes, ça me saoule. Ok. Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. Petit poste de la Fedra ici. Fedra qui sont les flics du post-apo, du monde post-apo. Oh, la nouvelle armée là. Alors juste avant, petite carte, hein, voilà, petite carte, une carte de la centrale électrique du comté de Jackson, ok. Et regardez, mesdames et messieurs, le El Diablo, je vais y arriver, le El Diablo est à nous. C'est parti, nouvelle arme, El Diablo, j'adore ça, j'adore ma vie. Là, on est en train d'enchaîner les nouvelles armes, clairement. Et ça, c'est une arme qui fait extrêmement mal. Regarde, il n'y a qu'une balle dans le chargeur, c'est pas pour rien. Moins il y a deux balles dans une arme, plus elle fait mal, ok, c'est la loi de ce magnifique jeu, aka The Last of Us, aka un jeu quoi, voilà, c'est tout. Allez, n'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok, dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité, on voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens? Lui, ouais. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer?
Ouais. Ok. T'as faim ? Oh, carrément. Fausse alerte ! On les connaît. On subit pas mal d'attaque. Tommy est là, on a retrouvé le frère de Joël, aka Tommy, et Maria, qui est la femme de Tommy. Jackson. De redémarrer la centrale. Ah ouais. On avait réussi à la relancer. Je m'étais posé la question. Je vais vous expliquer juste après. J'attends qu'ils finissent leur discours. Oh, un cheval. Les petits. On en a plein même. Oui, plein de chevaux, mais Tommy, il s'est mis vraiment bien. Et regardez, enfin des gens qui sont gentils. Oui, bien sûr. Il aime plein de personnes qui sont gentilles, regardez. Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval ? Ouais, c'est vrai, c'est ça. Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Hop. Ça serait super. Ouh, on peut caresser le cheval. Ok, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a un moment pour que je puisse parler, s'il vous plaît ? Pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est que oui, je m'étais posé la question. Ouais. Non, mais arrêtez de parler. C'est pas vrai. Oui, bon, du coup, qu'est-ce que je disais maintenant ? J'ai oublié, c'est un truc de fou. Oui, normalement, Tommy habite dans une grande ville sécurisée, ok, et vraiment énorme, au milieu de montagnes enneigées et tout. La ville qu'on voit dans le 2, en fait, The Last of Us 2, pour ceux qui connaissent. Et je m'attendais à voir Tommy à Jackson et pas à cette centrale. Mais je savais très bien qu'on allait le retrouver à cette centrale, hein, bien sûr. Je vous contredis un petit peu, mais bref, je me comprends, c'est l'important. Tout ça pour dire que Tommy habite à Jackson, mais là, on est sur une centrale hydroélectrique qui alimente la ville qui s'appelle Jackson, en fait. Et puis voilà. Voilà. Tout simplement. Tout ça pour dire ça, hein, je sais. Ça va, mon pote ? Ça va, tranquille, vas-y, on va suivre ta femme Maria, là, Maria, la femme de Tommy. Oh. Maria. Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle, Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil ? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon, j'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël ? Allez, Ellie, laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy, bougez pas. Ah, comment Ellie s'attache à Joël, ça c'est vraiment trop bien. Les turbines. Vraiment, vraiment trop bien. Les turbines, oui, du coup, la centrale est pétée. Ça semble long. Je pense qu'on va aider Tommy à la réparer, non ? Ça se passe comment ? J'ai quelque chose pour toi. Ah, bah qu'est-ce qu'il y a ? L'an dernier, je suis retourné à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère ? Le plus gros de nos affaires, moi. Y a rien. Oh ! Oh ! Oh, vas-y. Ah ! Ah, il est retourné. Waouh, je savais même pas ! Faut passer, mais elle est encore chouette. Incroyable ! Tommy est retourné dans la ville où Joël habitait, en fait, au tout début, à l'épisode 1. Oh, c'est fou. C'est bon. C'est fou. C'est sûr. Ce serait stylé d'y retourner. D'avoir une séquence où on peut y retourner et tout, visiter. Je vais la garder pour toi. Tommy, écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Ok, bon, encore une fois, dis donc, il y a beaucoup de cinématiques en vrai, mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le moment du jeu où il y a plein de trucs qui se passent, ok, on vient de finir une grande partie du jeu, hein, je le redis encore une fois, mais parce que c'est vrai, c'est vraiment important de le dire, et là, on va entamer une autre grande partie, mais pas tout de suite, dans le prochain épisode, je pense, là, juste, on se met bien. On voit un petit peu ce qu'on nous propose. Regardez, on nous propose plein de trucs. Ah oui, le prochain établi. J'ai dit qu'au prochain établi, on va se mettre bien. Mais tellement bien. Incroyable. Franchement, vous n'allez pas être prêts. Je sais pas ce que tu sais, on doit avoir 200 et quelques rouages. Hein. On compte plus de 20 familles maintenant. Oh. C'est Maria et son père qui ont créé. Il y a du peuple. Il y a du peuple. On a des plantations, du bétail. C'est vraiment stylé. Hein. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. J'adore le décor. Et niveau sécurité. Et c'est un jeu de 2013. C'est fou. Même une barrière électrique quand. C'est fou. Et vous avez toujours affaire aux infectés. Je pense pas que descendre serve à quelque chose, hein, honnêtement. Pour l'instant, on va suivre Tommy. C'est peut-être pas obligé. Ouais, je sais même pas de quoi il parle là, mais j'avoue, c'est un peu compliqué de parler en même temps que eux ils parlent. Là, c'est bon, ça me saoule. Marlène. Non, mais arrêtez avec Marlène là, c'est bon. Tout le temps, on parle de Marlène, chaque épisode. Le Dogo. C'est pas un bon chien de garde. Le Dogo. Mais j'aime bien l'avoir ici. Il est mignon. Dogo là. Oh, ça aussi c'est mignon. Regardez, de l'alcool, du tissu. Et ça donne un kit de soins. Voilà, parfait. On peut rien se faire d'autre ? Non ?
Bon, bah, très bien, c'est pas grave. Allez, c'est parti, Tommy. J'arrive. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Oh, des petits ingénieurs. C'est la bonne cette fois. Alors vraiment, je fouille tout, hein, quoi, comme d'habitude. J'ai pas dit hop. Ça. Des pilules encore. Parfait. Million, ça marche. Ok. Parfait, parfait. Un million. Ça parie en plus. Ça fait des jeux et tout. Ouh là là. Ouh là là. À gauche. Alors là. Va y avoir un petit voilà, va y avoir un attentat sur l'établi en fait. Hein. Oh là, oh Jesus, Jesus Lord, on a 349 rouages. Hein. Allez, on va se faire un étui arme longue. Merci bien, un étui arme pistolet. Merci bien. Ensuite, on va améliorer quoi? Le El Diablo vitesse de rechargement. Oui, parce que ça, dans mes souvenirs, ça recharge très lentement. Alors ici, bon, le shorty peut-être pas l'améliorer tout de suite. Ok, vitesse de rechargement de ça par contre, obligatoire, ça recharge trop lentement, ça on va améliorer aussi, parce que ça fait pas trop de dégâts, le pompe, cadence de tir, capacité du chargeur, on améliore directement, ça me fait plaisir, la portée on améliore directement aussi, et voilà, je pense qu'on est bien, recul, on peut améliorer le recul, pourquoi pas, on peut améliorer quelque chose d'autre, oui on peut améliorer ça, vitesse de rechargement, c'est vrai que ce serait pratique, vitesse de rechargement sur le shorty, ce serait pratique. Mais en même temps, le recul, ah, quoique, le recul, voilà, vitesse de rechargement, voilà, on est bien. Oh là 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 là. Les rouages partent tellement vite, et regardez notre inventaire maintenant, c'est tellement mieux. Oh, c'est tellement mieux. J'ai envie de tirer avec le sniper juste pour voir comment ça recharge. Ah bah là, il vient de recharger, ok, c'est très rapide. Ça me convient tout à fait, c'est très rapide. Bon, j'arrive. Désolé, c'était la petite séquence d'amélioration, mais c'est important. Avec le drapeau des States et tout. Ok, c'est bon. Oh, et comment ils arrivent à réparer ça? Moi je comprendrais rien du tout. Oh, je suis perdu les gars, vous me paumez. Hein. Allez vas-y, vas-y Marcel, t'y es presque. Là, moi je dirais un petit peu plus à droite. Ouais, ouais ça marche aussi comme ça, pourquoi pas. Ok. Oh, allez redémarrer. Comme par hasard ça a marché, regardez. Attention. Oh, voilà, ça remarche. Comme par hasard. Bien wesh. Bon boulot les gars. Ça j'aime bien. Faudrait appeler Maria pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ouais, t'inquiète. Bah elle doit être au courant. T'as vu ça? Les lumières ont dû s'allumer et tout de partout. C'est impressionnant. Oh, des trucs qui brillent. Tu vas devoir me trouver 2 millions. Des trucs qui brillent. Tu l'as dit. Bah, l'argent ne sert plus à rien hein, au moment où vous vivez là. Oh, une brique. C'était une brique en fait. Hein. Rien de bien méchant. Juste ici. Ouais, je vérifie un peu tout, hein, vous savez. Oh, une salle. Voilà pourquoi on vérifie un peu tout. Sur les armoires, ici, il n'y a que dalle, parfait. Hop, les petites salles comme ça. Oh, oh, c'est trop mignon. Un petit tuyau. Un petit tuyau qu'on peut améliorer. Non, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Petit cocktail Molotov. Voilà, on commence à vraiment se remettre bien. Là, ça commence à, là, ça commence à envoyer du steak, comme on dit. Tac, oh là là, on va pouvoir se raméliorer des armes et des petites armes là. Ryan Oliverio. Très bien, parce que oui, du coup, ça c'est les Lucioles. Ou Tommy ne fait plus partie des Lucioles, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un délire. Bon. Ici, c'est chargé, très bien. Oh, voilà, on est prêt. Là, on est prêt, il peut se passer n'importe quoi. On est prêt, on est paré. N'empêche qu'en vrai, Joël porte au moins 5 à 6 armes différentes sur lui. Voilà, ça doit peser lourd, mais bon. Peu importe, c'est pas grave. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi? Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir.
Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là? Tu te fous de ma gueule? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour Ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Oh là là, l'embrouille entre les deux frères. Bon, on va en reparler juste après. Juste avant, on va faire un petit carnage. Oh non, mais c'est pas vrai. Ça va pas commencer. Ouh là là, les balles perforantes sont efficaces, effectivement. Effectivement. Oh là là, ça tue tellement plus rapidement. Oh, oh, j'aime bien. J'aime bien ce petit bail là. J'aime bien l'amélioration du snipe qu'on a fait. Oh, ça tue même dans les jambes. Oh, mais ça c'est beau. Là, franchement, là vous me régalez. Hein. Là, vous me régalez. Et on va tester le Diablo. Le El Diablo, attention. Oula, pardon monsieur. Hop là, terminé. Mais depuis quand ça one shot pas? Oh là là, attention. What the fuck? Qui me tire dessus? Ah non, non, mais attendez, parce que là, il y a un petit problème. Non, il y a un petit problème. Il y a un petit problème de balle. Hop là, terminé. Oulala. Attention, j'ai le shorty. Ah ouais, mais le shorty, ça fait mal aussi, les gars. Ça fait mal aussi, les gars, le shorty. Hop là, donnez-moi des balles. En plus, vous avez raison. Comme ça, je pourrais tuer tous vos potes. Tous vos potes. Ouh. Ouh, il voulait me tuer avec une... Ok. Non! L'établi! Qui a détruit l'établi? Mais c'est toi qui a détruit l'établi? C'est toi qui a détruit l'établi, c'est ça? Oh, vous voyez quelque chose? Ah, j'aime bien. Oh, on peut prendre le plan. Il y a plein de trucs qui ont changé, c'est pas possible. Voilà, prends le plan. On peut consulter. Ouais, ouais, très bien, très bien. Le plan de la centrale électrique. Ok, très bien. C'est peut-être pas le moment de consulter le plan. Ok, alors là. Là, ça va être une partie de plaisir. Regardez pourquoi ça va être une partie de plaisir. Non, mais je suis vraiment trop nul. Mais je suis trop nul. Là par contre, la balle tête, elle était pas nulle, celle-là. Hop, la balle tête. Attention, je recharge, pardonne-moi. Soyez patiente, madame. Oh non, non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hop là. Allez, on va se promener au petit shorty. Le shorty. Hop. Voilà, c'est parti. Boum. Ah si, je suis par là. Viens, mon pote. Tu vas voir, on va s'éclater. Hop là, voilà. Voilà comment on s'éclate chez nous. Non. Ouh là là. Ouh, Tommy, défends-moi, s'il te plaît. Tommy, j'ai plus de balles. On fait comment? Hop. Vous connaissez l'arc? L'arc à petite distance. Hop là, terminé. Donnez-moi des balles ou n'importe quoi, mais quelque chose qui fait mal, en fait. Hein. Parce que là, j'ai vraiment plus de balles. Ah, mais j'ai une autre arme, c'est vrai? Pourquoi je joue qu'avec ces armes-là, en fait? Regardez. Oh là là. Oh, mais j'ai les molotov et tout. Mais pourquoi j'utilise pas ça? Alors là, on va s'amuser. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer au revolver, les gars. Vous allez me voir arriver. Regardez bien. Voilà. Toi, tu t'indiques plus jamais ma pose. Ma position. Ouh, il est mort direct. Non, mais arrêtez de parler comme ça, hein, par contre. Parce que moi, je suis pas trop fan de ce mot-là. Hein, mon éducation, s'il vous plaît. Non, je rigole. Encore? Boum! Terminé. Non, mais arrêtez. Arrêtez de faire les mecs qui font genre on vous a vu, voilà, vous allez tous crever, c'est tout. En plus vous avez tué des mecs de mon gang, des mecs de ma cité, voilà. Tu prends ces balles là, mais qu'est-ce que tu veux toi? Oh là 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 là, ok, il y a plein de balles de partout, moi j'aime bien. Attention, qui veut crever? Alors pas moi par contre. Alors lui, j'ai envie de lui jeter une de ses grenades. Oh, Ellie, bien joué.
Attention, on va recharger. Regardez la satisfaction dans 3, 2, 1. Voilà, satisfaction faite. Très bien. Juste, moi je... Oh là là. Regarde les... J'ai envie de voir des trucs qui brillent partout. Voilà, comme ça. On enlève tous les trucs qui brillent. Oui, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y avait beaucoup de... Non, les trucs qui brillent. Ouais, ouais, ça va. Joël. Oh merde, ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, écoute, il faut courir. Alors, on a plongé derrière ces tables. Calme-toi, écoute. Tu es blessé. Non. Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici aujourd'hui. Hé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en rapport avec moi? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois, un seul faux pas et moi aussi je me retrouverai veuve, ok? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria. C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde, vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Doucement, doucement. Faites attention. Oh là. Non, mais ouais, c'est enfui, mais c'est pas vrai. Il y a tellement de trucs à dire, je sais pas quoi dire. Bon, ok, sur le chemin, je vais essayer de raconter. Hein. Donc là, on va aller chercher Ellie qui s'est enfui. Il va y avoir une belle scène. Ah, mais je suis un ouf. Regardez le temps d'épisode, on est déjà à plus de 30 minutes. Donc on va s'arrêter là, en fait. Tommy, attends-moi, hein. Attends-moi, parce que sinon, c'est la D. Bon, bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. Tommy a été énervé du fait que... Oh là là, mais il y a tellement de trucs à dire, c'est ouf. Je vous expliquerai au prochain épisode. C'était Douache, dis-moi ce que t'en as pensé de cet épisode de dingue en commentaire. Bye tout le monde.